Coucou mes amis Sagittaires, allez c'est parti pour le tirage de septembre 2022, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous avez passé des bonnes, que vous passez des bonnes vacances, hein, bien sûr, hein, que tout le monde n'a pas repris le boulot encore, hein. je vous fais les septembre un peu en avance, hein, parce que moi aussi je vais peut-être prendre quelques jours quand même, donc... Et je ne pourrais pas non plus emmener mes cartes. Donc voilà. Et donc je voulais vous dire, oui, merci de me suivre, évidemment. Merci de mettre un maximum de pouces bleus. Parce que ben, j'ai entendu dire que si YouTube ne diffusait pas beaucoup ma chaîne. Ne me la montrez pas en premier plan comme toutes les autres. Hein. C'est parce que je n'avais pas assez de pouces bleus. Bon. Donc, je vous demande ça avec indulgence et humblement. Est-ce que vous pouvez me mettre des pouces bleus? Voilà. Et est-ce que vous pouvez, parce que quand j'ai 1900 vues sur mes statistiques et que ben, j'ai pas la moitié, même pas, voilà. J'ai que 717-18 abonnés. Où sont passés les 1000 autres abonnés? Enfin bon, chacun est libre de faire comme il veut. Hein, donc voilà. Donc voilà. Merci quand même. Merci de me soutenir. Et puis, je vous. Voilà. Un pouce bleu, ça ne coûte rien. Et moi, ça me rapporte beaucoup. C'est la pub, ça. Un pouce bleu, enfin, un abonnement, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'apporte beaucoup. Donc, enfin, voilà. Je dis ça, mais bon, après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Hein, mais voilà. Donc, moi, je crois à l'univers. Et je crois que l'univers va m'aider à faire fructifier ma chaîne. Voilà, regardez, tu es puissant. Voilà, on vous dit, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, c'est celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie. De te transformer, toi, oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui. Mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Bah écoutez, il vous connaît bien, il me connaît bien, ils me connaissent bien les anges. Allez, on va les prendre avec l'oracle intuitif. Voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Sagittaires, septembre 2022, s'il vous plaît. Allez, j'ai besoin que d'une seule carte, s'il vous plaît. Comme j'ai dit pour les. Voilà, le lâcher prise, ça fait deux fois qu'elle tombe. Mais tout à l'heure, elle était accompagnée, donc je n'ai pas prise. Comme j'ai dit pour les lions tout à l'heure, j'ai mon chakra gorge qui est très ouvert. Donc, excusez si je dis des fois des choses que je ne devrais pas. Mais bon, des fois, c'est bien de dire. Allez, le lâcher prise. Lâchez prise les Sagittaires, hein. Relâchez, changez, concentration, renversez les situations, sagesse intérieure. Et bien écoutez, vous avez sûrement, vous êtes en proie à beaucoup de questionnements. De toute manière, on voit bien, la lune elle est dans le brouillard. Mais vous allez avoir des réponses parce que vous avez le soleil qui est là. Hein. Donc... vous allez connaître, vous allez savoir. Mais on vous dit voilà, de lâcher prise sur des choses
qui vous atteignent intérieurement, quoi, même, hein. Ouais. Ouais, on vous sent quand même bien dans le brouillard, hein, enfin, pour ce mois de septembre, hein. Vous n'avez pas sur quel pied danser. Donc là, on vous dit lâche prise. Voilà. Peut-être. Peut-être êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué? Vous manquez de concentration. Hein, donc voilà. Hein, il n'y a que vous qui puissiez voir là où ça pêche. Allez, on va aller voir avec les comptes d'intuition, peut-être que ça nous dira, ça nous parlera peut-être mieux. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on est pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Une petite carte pour les Sagittaires. Je n'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Moi, je pense ici la maîtrise. Et oui, la maîtrise dans les Sagittaires, ils savent très bien maîtriser, hein. Alors, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, accepter le chaos, lâcher prise. Voilà. C'est votre vie est en train de changer. Donc, il y a un changement total qui s'opère chez vous, hein, autour de vous. Donc, bah, écoutez, essayez de le prendre avec philosophie et puis voilà, sans vous poser trop de questions, quoi. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va faire une pyramide à l'envers. Voilà. Allez, quel est le message pour les Sagittaires? Merci. Initiation. Vous allez apprendre. Apprendre. Grâce à votre âme sœur, peut-être aussi. Des erreurs qui ont été commises. Ça va vous permettre d'évoluer, de vous élever. Alors, voilà, parce que vous avez quand même la richesse, l'abondance, et vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Ouais. Ouais, on me dit bien, hein, que vous allez apprendre grâce à votre âme les erreurs du passé. Ça va vous permettre de vous élever, de vous enrichir en mettant un peu d'ordre, hein. Il va y avoir des écritures. Alors, est-ce que vous faites un legs? Est-ce que vous faites un don? Je ne sais pas, mais quelque chose va tomber. Voilà. Vous avez la sérénité en vous, hein, vous êtes serein. Voilà. Et avec le coup de foudre, enfin avec la foudre, ça peut parler de plein de choses, hein. Ouais, on me dit que vous allez avoir des écritures. Vous allez faire signer des papiers, je pense. Ça va vous rendre serein. Et il va y avoir quelque chose qui va se briser. Là, j'entends avec la foudre, là. Peut-être
Ouais, oh là là, oui. Il y a quelque chose qui va se briser, oui, avec la mort, avec le malheur, hein, donc, ouais. Ben voilà, je suis. Les cartes, elles me parlent, voilà, pour les Sagittaires, hein, donc je suis désolée. Mais vous allez peut-être connaître. Voilà, un événement tragique. Hein. Mais ça va vous transformer, hein. Vous allez trouver la lumière. Voilà, on me dit que pour l'instant, vous allez être dans la pénombre, vous allez voir, voilà, vous allez voir le petit point noir de lumière. Avec la tentation, vous allez vous transformer, hein, avec la mort. Et vous allez trouver la lumière. Donc, moi je dis, c'est peut-être pas non plus un décès à proprement dit, hein, ça peut être un décès, une transformation. Hein. Donc, voyez comment que ça vous parle. Hein. Voilà. Bon, allez, j'arrête celui-là. Donc, si vous voulez des consultations privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Peut-être d'où le lâcher prise et d'où la maîtrise. Hein, une maîtrise à tenir après un chaos. Hein. Allez, on va le voir avec le Médéor pour les amis. Sagittaire. Allez. Quel est le message pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît? Merci. Ouais. On a encore la foudre, hein. Le fin de cycle. Ouais, vous avez le corps physique en souffrance. Donc, à mon avis, il y a peut-être, vous avez peut-être un problème de santé. Ouais, là, vous êtes en stagnation, là. Je pense que les Sagittaires, vous allez. Alors, pourquoi on me parle de ça, là? C'est horrible ce tirage-là. Wow! Moi, je ne sais pas vous, mais ça me donne. Allez! Et puis là, je suis direct, hein, il n'y a pas de problème, hein. On me parle dans l'année en cours. Il va y avoir une rencontre forte. Et peut-être qu'il y a des Sagittaires qui vont se plonger dans le travail. Moi, voilà, ce qu'on me dit là, c'est que vous avez. Il va y avoir beaucoup de communication après une fin de cycle. Hein. Vous avez votre corps physique en souffrance. Et on me dit que vous avez un lâcher prise. Hein, voilà. Un lâcher prise après un chaos. Donc vous êtes en période de stagnation. Dans cette période de septembre. Il va y avoir donc un événement en cours dans l'année. Donc. Dans une rencontre forte, hein. Peut-être une rencontre sur le lieu du travail. Ouais, il y a le chakra sacré qui est en. Et qu'il va falloir faire travailler le chakra sacré.
Voilà ce que l'on me dit. Vous avez le chakra sacré en ébullition. Voilà, mais il y a un blocage karmique, hein, donc il y a quelque chose de lien karmique, de lien d'âme, il va falloir, rompre ce lien, peut-être. Ça vous bloque, donc c'est peut-être pour ça que le chakra sacré n'est c'est pour ça qu'on vous parle du chakra sacré, même. Mais voilà, on dit que vous avez quand même un potentiel suffisamment assez exacerbé pour réussir tout ça. Qu'est-ce qu'on me donne encore comme carte là? Ouais, c'est la lignée familiale, hein. Voilà, vous êtes dans la lignée familiale, il va y avoir. Voilà. Pour certains, dans l'année en cours, donc l'année, elle n'est pas finie, hein, d'accord, on est qu'en sept, on va arriver qu'en septembre. Vous allez faire une rencontre forte sur le lieu du travail après une période de stagnation. Ça va réactiver les chakras sacrés, le chakra sacré. Hein? Vous allez avoir des petits papillons dans le ventre. C'est bien. Voilà. Mais il y a un blocage karmique parce qu'il y a un blocage à lien. Voilà. C'est une lignée. Hein. Voilà. C'est dans votre lignée, ça vous bloque. Voilà. Donc, il va falloir lâcher prise et avoir beaucoup de maîtrise pour accepter le chaos et pouvoir changer de vie. D'accord? Waouh, ça a été chaud, 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 hein. Les premiers messages que j'ai eus là. Enfin bref, ça va mieux. Ça c'est bien mieux terminé. Allez, on va aller voir avec l'oracle miroir. Allez. Pour les Sagittaire, septembre 2022, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce que nous avons en dos du deck? Nous avons une réunion après un échec sur une trahison. Waouh, wow, vous les encaissez les Sagittaires. Hein? Donc vous allez être convoqué à mon avis. Suite à un échec, hein, peut-être au niveau du travail, mais aussi un échec qu'on vous a aidé à avoir, hein, parce que bon, on vous a peut-être mis un couteau dans le dos, hein, symboliquement, mais voilà. Mais enfin, vous allez retrouver la tranquillité et il y a un changement qui arrive vers vous, hein. Vous avez quand même de l'intuition, hein, même. Voilà. Ah là là, mais c'est pas possible, hein. Je vois que j'aurais jamais parlé autant durant ces vidéos qu'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être la forme, donc je vais enquiller les vidéos. Voilà. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Regardez-moi ça, Sagittaire. Bah oui, c'est vraiment sur le lieu du travail, hein. Alors, on me dit que là, vous avez un nouveau projet de travail, parce qu'on me parle du travail, enfin. Donc, il va aboutir puisque vous allez signer des contrats. Hein. On me le confirme là, avec le verdict, et ça va vous apporter de l'abondance.
On vous dit de faire attention quand même à votre santé, d'accord? Suite à à des problèmes de santé, vous pouvez faire des compromis quand même. Donc, bon, vous avez le soutien de votre famille, hein, de votre lignée. Et vous allez trouver une ouverture, une nouvelle destinée quand même à apprendre parce que ça va vous amener peut-être un reclassement, peut-être, je ne sais pas moi, mais enfin, point de vue travail, ça, voilà, ça peut aboutir sur une belle ouverture, quoi, hein. Voilà. Allez, avec l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour les Sagittaires, septembre 2022? Alors, on me parle du consultant, hein, la polarité masculine, qui va retrouver la paix, peut-être grâce à une personne d'une trentaine d'années. Voilà, il va signer des papiers officiels, il va y avoir de l'abondance, de la chance, peut-être à la prochaine lunaison. D'accord? On me dit qu'il va y avoir quand même des examens médicaux. Ok, et ça va transformer, hein. Il va se sentir trahi. Voilà. Mais il va trouver la lumière et la transformation. Voilà. Ok. Ami Sagittaire. Voilà. Tac. Moi, je vois que quand même, il y a. Bon, parce qu'il ne faut pas quand même être des langues de bois, hein, non plus. Mais je vois quand même le malheur arriver dans certaines familles. Hein. Voilà, donc. Je peux très bien me tromper, et j'espère. Mais. La carte de la carte du décès sort quand même pas mal de fois. Donc, excusez si je parle comme ça, mais voilà. Je m'adresse à plusieurs personnes, hein, donc c'est pas. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Bon, donc le Sagittaire, il va s'élever, il voudrait changer de maison. Donc, s'élever dans un milieu social, voilà, plus adéquat. Mais son cœur balance. Son cœur balance. Effectivement, c'est confirmé là. Point de vue travail, c'est période de gel. Là, il est. Ouais. Peut-être point de vue santé aussi, on l'a peut-être, voilà, mis en. Point de vue travail, c'est gelé, là. Donc. Il y aura toujours quand même des médisants, hein, pour dire des insanités, ça c'est sûr. Mais même si il y a des médisants, on finit quand même par un serrage de main. Parce que ce qui peut être dit n'est pas forcément vrai. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont censées être sincères, puisqu'on a quand même la protection divine et. On a quand même la chaleur, le foyer, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose de bien.
Allez. Avec le Béline. Les amis Sagittaires. Ouais. On a l'accident. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a la méchanceté. Bon, on l'a eu hein, avec, avec les chauves-souris. Hein, donc, la méchanceté. On a de l'inconscience, hein, évidemment. On ne sait pas sur quel pied danser. Bon, on a quand même la maladie. Donc, attention à votre santé, ami Sagittaire. On me dit campagne, ouais, vous allez vous diriger lentement mais sûrement vers peut-être peut-être une maison de repos ou même vous allez vous reposer à la campagne. Hein. Bon, on va essayer de vous trahir hein, quand même. Hein. Vous allez dans une période, vous êtes dans une période de stérilité. Excusez-moi, c'est pas très gai tout ça, mais vous allez retrouver la paix. Voilà. Après, la paix, après, voilà, après que, bah, que tout s'effondre. Bon, bah, je crois que je vais arrêter le tirage ici parce que ça me tord un peu l'estomac. Voilà, j'aime pas faire des tirages où il n'y a pas de gaieté, mais bien évidemment, la vie, c'est pas tout rose, c'est pas tout. Voilà, mais. Bon, allez. Je peux pas quand même vous laisser comme ça, mais bon. Donc là, on me dit là. Il va y avoir une trahison. Une trahison suite à un héritage, peut-être. La vie, peut-être, la vie vous trahit, peut-être. À mon avis, la vie vous trahit. Et il y a un héritage. Ça va vous permettre d'avoir une renommée. Une renommée. Vous allez peut-être toucher un héritage. Ça va vous apporter la renommée, mais attention, voile perte. Vous risquez de. On risque de vous. D'essayer de vous voler. Hein. Donc, peut-être avec la trahison, voilà, on va essayer de vous voler votre... ça va être long, hein, ça va être lent, comme cette vieille dame, hein, de récupérer peut-être votre dû. Mais ça va être une réussite. Une réussite pour la famille. Ben, qui désespérait quoi avec les ruines, avec la ruine, c'est voilà, ils étaient désespérés. Hein. Mais vous avez l'amour quand même. Hein. Vous avez l'amour de votre famille. Hein. Donc vraiment, accepter le chaos pour c'est bien ça. Hein. Accepter le chaos pour que votre vie change. Hein. Donc vraiment le tirage est vraiment il est vraiment basé sur ça. Ben, j'ai pas fini, j'ai encore le Normand. Allez, petit le Normand, comme les autres. Hein, et, on va pas changer une équipe qui gagne. Voilà. Ouais. Vous avez été patient. Alors, c'est le bon timing. Attention, c'est comme vous voulez. Bon, vous avez de la chance. Hein. C'est déjà bien. Attention au piège tendu au travail.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires? Ah bah oui, on a une femme romantique hein, qui pense que ses voeux vont être exaucés. Elle pense, elle est, voilà, c'est une personne solide, robuste, mais elle a quand même des nœuds au cerveau. Ça grignote là-haut. Bon, elle va avoir la chance hein, de pouvoir déménager. Après un courrier, elle part sur un nouveau départ. Donc c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Ah, on a les masques encore. La maison. La faucille. La concrétisation. Le bouquet. Le jardin, enfin le labyrinthe. On a le timing, le cœur et le livre. Donc, là, on me dit que vous allez abattre les masques sur l'achat peut-être d'une maison ou la vente d'une maison. Hein. Donc, vous n'allez plus vous cacher parce que là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Ça va être un cadeau divin, une concrétisation. Vous allez arrêter de tourner en rond et vous faites ça par amour pour une personne et c'est le bon timing, quoi. Voilà. Il faut le faire là, c'est maintenant ou jamais. Là, vous allez avoir une révélation. Mais je dirais que vous allez avoir une révélation et donc voilà, c'est pour ça que tout va s'enchaîner hein, là. On me dit bien que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Hein. Il vous faut lâcher prise, hein. Relâcher, changer, concentration, renverser la situation, sagesse intérieure. Il faut accepter, surtout. Et là, on me dit que tu es très puissant. Tu as cette force incroyable en toi, c'est de pouvoir décider ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Donc voilà, vous allez peut-être vendre votre maison, ami Sagittaire, partir sur un nouveau projet. Voilà. Enfin, vous seul sachez, hein, que vous allez savoir hein, de quoi on parle, hein. Mais tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que la lecture vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu, s'il vous plaît. Je vous le demande humblement, même, voilà. De commenter et de vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, d'activer la cloche si c'est pas encore fait. Et voilà. Donc, moi, je vous dis à très très bientôt pour le sentimental. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Merci.